tous, c'est Florian pour une nouvelle petite vidéo du Retro Geeks News numéro 2. Donc oui, numéro 2 parce que tout simplement le numéro 1, il a eu un bug sur YouTube, mais il va être arrivé juste avant. Donc ça va vous faire deux Retro Geeks News pour le prix d'un. Et donc nous voilà à Saint-Lô pour l'événement qui se passe vraiment en ce moment. C'est la neige qui est sur la basse Normandie. Bah, la basse Normandie, surtout la Manche et le Calvados. Donc, comme vous voyez ici, bah, on a environ, moi ici, là, environ 30 cm de neige. Et d'après la radio locale, on serait environ entre 40 et 60 cm de neige. Donc, ça en fait quand même un sacré paquet. Donc, aussi, autre information qui a été dite dernièrement à la radio, c'est que le promo cash et le bricomarché du coin se sont effondrés à cause du poids de la neige. Et sinon, il y a Leclerc qui a été évacué parce que lui aussi est sur le point de s'effondrer. Donc là, ils sont en train de voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de neige. Je sais pas combien de centimètres de neige. Là, je suis même pas au sol. Hein. Si je plonge au sol, voilà. Il y a le sol. Ça fait quand même beaucoup de neige. Donc en gros là je pars pour aller faire quelques courses parce que j'ai plus rien dans le frigo. Et donc comme ça on va voir un peu comment est l'état des routes sur Saint-Lô. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça roule pas beaucoup. C'est vraiment très très blanc. Donc nous là, je vais bientôt arriver au carrefour qui est un axe principal. Donc là déjà, comme vous voyez, vraiment personne, tout le monde marche. C'est pas... C'est toujours blanc. Donc on arrive bientôt au carrefour. Ça va faire quelque chose de plus grand. Comme vous voyez, c'est vraiment très très blanc. Là, on est bientôt au carrefour. Ouais, bon, apparemment, le carrefour il est encore bien blanc, donc ça veut dire que vraiment personne marche ici, personne roule, je veux dire. On a que des traces de pas, quelques traces de véhicules, mais vraiment pas grand chose. Oh, on ne glisse pas non plus. Ça fait bizarre de voir Saint-Lô sous la neige quand même. Ici là c'est un axe principal, donc comme vous voyez il n'y a vraiment aucune voiture, les gens, personne ne roule, tout le monde marche et on se trouve vraiment bloqué, enneigé. On va peut-être réussir à croiser une voiture avec un peu de chance, mais pour l'instant c'est encore loin de rouler hein. Et donc nous voilà arrivés au commerce le plus proche, c'est un Lidl. Donc je vais aller faire quelques petites courses. C'est vraiment, voilà, tout le monde vient ici pour faire des courses, c'est ouvert apparemment. Il n'y a aucune voiture sur le parking. Personne ne prend le risque de rouler. Voilà, tout le monde marche, vraiment c'est quelque chose d'assez incroyable à Saint-Lô. Hop, on descend les escaliers. On marche dans le passage fait par tout le monde. Ça glisse un peu, ça devrait le faire. Et donc on arrive à Lidl. C'est beaucoup de monde. Ça a l'air d'avoir beaucoup de monde. Ouais. Il y a quelques gens et donc voilà, on va faire quelques courses.
Nous revoilà dans le fameux carrefour. Donc là, toujours autant de neige, je me prends de la neige plein la gueule. Donc c'est assez compliqué. Et voilà, les gens se promènent, il y a des gens qui ont fait des courses au Tidal, qui repartent. Mais comme vous voyez, nous sommes totalement bloqués dans la neige. Une voiture qui essaye de sortir là, mais ils ont du mal. Oh. C'est profond par là. Allez, on remonte l'escalier. Je suis pas le premier. Tiens la rambarde. Parce que là, si on tombe, d'avoir des problèmes. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment très très profond. Il y a, ouais, 20 cm, je suis gentil là, ici il y a 20 cm, là. Ça dépend des endroits, mais bon, comme ici là, il y en a de la neige. On va suivre le chemin. Et on arrive bientôt à JT. Allez donc. Il y a le petit sentier. Là, il y a de quoi dire. Les cours, les lycées sont fermés. Quasiment tout est fermé. Là, le Lidl, j'en ai parlé avec eux, ils vont fermer bientôt aussi. Parce que voilà, il y a du monde, mais pas beaucoup. On arrive à JT. Ladies and gentlemen, I give